Bon, c'est même revendication, hein? C'est même combat. Hein? Le départ de Jovenel Moïse. Donc, jeudi, nous rendons compte que de plus en plus de monde dans la rue. Jeudi, chrétiens ont quitté l'église. Ils ont prié pour demander bon Dieu seulement pour délivrer. Mais jeudi, ils ont rejoint la rue. Ils ont rejoint les militants politiques, ils ont rejoint les artistes. Nous avons le combat à mener justement pour capable de capoter Jovenel Moïse sous pouvoir avec le système. Donc, nous disons à Ibobo Bouyo. Et je dis à nous que de plus en plus, Jovenel Moïse a pas isolé. De plus en plus, Jovenel Moïse a réduit à sa plus simple expression. Et nous demandé à Mounio pour continuer à mobiliser. Mais pas à mobiliser, mais continuer à mettre des barricades bien haut. Parce que seul moyen pour Jovenel parti, il faut que même temps nous mobiliser, en même temps, barricade nous monter un peu partout dans le pays. Jovenel voulait faire diversion. Jovenel, c'est chef système, non. Donc pour une case de système, il faut nous voir Jovenel aller. Donc Jovenel a fait tentative pour faire diversion, faire nous croire que lui veut casser le système. Alors que Jovenel, c'est un gros bénéficiaire du système. Je veux dire, il n'y a pas de moyens pour casser le système, non. Ça, Jovenel va quitter le pouvoir. Nous sommes les rois d'Haïti,
aller voir. La tigre a lancé depuis jeudi à Carrefour Trois-Mains parce que nous avons un parcours pour nous sortir de Carrefour Trois-Mains pour nous arriver à Carrefour Aéroport et puis pour nous monter à Pétionville, l'arrivée sur Pétionville pour nous dévirer sur Boudon. Pour nous avoir un message à la nation, laissez nous tout avocat avec constitution en main pour nous avoir un message à la nation parce que nous ne sommes pas capables encore, nous-mêmes avocats, si nous ne sommes pas sortis, qui est-ce que nous sortir? Nous sommes obligés de sortir pour nous prendre la RIA, pour nous revendiquer droit nous parce que choisir de ne pas revendiquer vos droits. Dépasse la zombification et même plus terrible que la mort, le fait de ne pas revendiquer vos droits. Nous ne sommes pas capables parce que Jovenel n'a aucune capacité pour diriger ce pays. Imaginons, l'on prend l'article 136 Constitution. Article 136 Constitution dit le président est le garant des bonnes marches de toutes les institutions du pays. Puisque le président n'a pas dirigé rien. Or, Antonin Fimé dit ça. Lorsque les institutions de l'État sont faibles, il vous reste que la conscience des hommes qui détermine l'avenir de la nation. Nous ne sommes pas capables encore. Je vous dis, nous ne sommes pas venus seulement deux par Jovenel Moïse. Non seulement nous avons attaqué le dossier Petro-Caribé, nous avons attaqué le système. Le système, c'est lui-même qui m'a causé. Même si deux par Jovenel, nous avons toujours été dans la RIA pour nous revendiquer de nous, pour nous faire un bon système. Nous avons cherché. Côté nous avons gagné la double vitesse. Côté Simon Lassaline, Simon Tokyo, Simon Delmadeo. Simon, si c'est Jérémyo, Simon, sous Wafio, laisse ça, nous avons une école qui est nationalisée. C'est laisse ça, nous avons parlé de ça, nous avons travaillé pour les jeunes, laisse ça, tout le monde a mangé, tout le monde a l'école, laisse ça, jeune Jodia, si nous avons gardé bien, pas de trois classes encore. Sauf que sont deux, pauvres améliorer, jeune Jodia, cette situation est. Nous ne sommes pas encore, nous même avocats, nous sommes obligés de nous prendre la ria tout parce que nous ne sommes pas pour tout le monde. Jeune Jodia, c'est. M. Johnny Trouve Salomon, qui est avocat et membre de la fédération des barreaux d'Haïti, qui est barreau de Petit Gouave. Moi, je suis très content. Merci. Thank you.
kidnappé a bien marché. Je dis à qui parle captivé. Allez, va nous payer. Allons, prenez le Jovenel. Allons, prenez le Jovenel.